Alors cette semaine, nous nous trouvons chez Fabrice Meyer. Nous sommes à Manspach, en Alsace. Donc c'est une petite bourgade qui se trouve à 30 minutes de Mulhouse. Donc ici, nous sommes à peu près sur un hectare cultivé, sur un sol argileux, enfin limoneux argileux, avec 25% d'argile. Et donc dans cette vidéo, on va vous présenter un peu le sol, on va faire une évaluation visuelle, et puis on va aller interviewer Fabrice. Donc je vous invite à nous suivre pour aller le rencontrer. Bonjour Fabrice. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Tout d'abord, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir maraîcher? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler la terre finalement? Oui, donc le maraîchage, au départ je voulais aller vers l'insertion par le travail et je pensais faire éducateur en maraîchage bio parce que je pensais que c'était un bon cadre et tout ça pour l'insertion, le vivant et tout. Ensuite, donc, je me suis formé en maraîchage et puis j'avais des bonnes formatrices et je me suis passionné d'agronomie, de biologie, la vie du sol, j'ai découvert le fonctionnement du sol, tout ça, enfin déjà en partie quoi. Et puis donc c'était assez passionnant et riche d'enseignements et de remise en question sur l'agriculture, comment ça se passe, etc. Et voilà, donc après j'avais un désir d'autonomie alimentaire, si possible énergétique. Et puis le besoin de retourner dehors, à l'extérieur, au contact de la nature, vivre avec les saisons, les éléments, être proche de la nature. Voilà, donc avec tout ça, dans le tout, après ça, je suis allé vers le maraîchage et j'ai trouvé sympa, il fallait trouver un truc pour gagner sa vie aussi. Donc j'avais des idées mais c'était un peu utopiste, donc je me suis dit avec les légumes, ça pourrait être pas mal de faire un jardin, une petite ferme, voilà, en gros. D'accord. Quoi. Et donc là ça fait à peu près ça fait 8 ans là que tu es installé. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution des pratiques au niveau des itinéraires techniques un peu sur les 8 ans? Ouais, comment tu as changé depuis la première année? Donc à l'installation, en formation à l'époque on était plus sur les méthodes en travail du sol léger, c'est-à-dire par des outils à griffes, pas trop profonds. Donc j'ai appris comme ça de les formations. Parallèlement donc au BPREA, c'était à Brins, je m'intéressais à la biodynamie, c'était le début du BRF en 2006-2007, Jacques Dupetit, tout ça. Il y avait des personnes de la classe qui étaient motivées par la traction animale, enfin ça m'a ouvert sur un peu pas mal de méthodes. J'ai découvert Jean Pain, les travaux de Jean Pain, il y avait un petit passionné de Jean Pain dans les cours, etc. Donc avec tout ça, ça ouvre sur beaucoup de techniques possibles. Donc je suis assez curieux, j'aime bien essayer ce qui est un peu original, pas trop connu, tout ça, enfin voir, ça, c'est intéressant quoi. Et puis c'était le côté développer la vie du sol, favoriser la vie du sol, stimuler. C'était quoi la question de départ? Donc comment est-ce que tes pratiques ont évolué depuis la première année finalement? Donc j'avais tout ça dans la tête quand je me suis installé, avec le désir de travailler en traction animale, mais bon, j'avais pas encore la commune de Manspach, donc m'a loué une prairie. Et fallait commencer à partir de ça. J'avais 1,3 hectare, et puis pas plus, quoi, un peu de sous de côté, et puis voilà. Donc, on a commencé quand même malgré tout, alors j'ai parlé avec un ami d'ailleurs, débâcher éventuellement la parcelle, etc. Mais on n'avait pas du tout de recul sur ces méthodes. On ne savait pas trop si ça allait marcher. Enfin voilà, pour un début, c'est un peu risqué. Et puis j'ai eu le terrain début décembre. Il fallait que je gagne des sous au mois de juin de l'année suivante. Donc c'était assez de la précipitation aussi, enfin les obligations de la vie, quoi. Et donc j'ai fait labourer la prairie, l'année d'installation, enfin fin 2009. Donc on a essayé de descendre pas trop profond, 25 cm. Et au printemps, on a fait une reprise à la herse rotative, ce qui est classique chez nous, on a des sols argilo-limoneux, quoi. Donc pour casser la prairie, etc. quoi. Après j'avais un motoculteur, donc j'ai fait au butoir, j'ai buté, j'ai ouvert des passe-pieds pour faire des planches permanentes.
Et puis je travaillais avec des griffes homodoculteurs après, pour des griffes de vibroculteurs, j'en avais fait un châssis, quoi, tout ça. Et donc j'ai travaillé avec des griffes. Et puis ensuite, j'ai continué comme ça sur butte et griffes avec un tracteur en 2011. J'ai acheté le tracteur à l'été 2011. Parce que le motoculteur c'est vachement physique avec les griffes, mine de rien. Et puis ça, dès que c'est un peu mouillé, ça patine, c'est un peu la galère. Voilà, tracteur, et j'ai rétréci les billons, j'ai fait des billons moins larges et plus hauts parce que c'est un terrain qui est vachement humide, il y a des problèmes d'hydromorphie, il faut drainer quoi. Quand il pleut, c'est pas évident. Voilà. Et puis ensuite, on a continué en travail du sol, mais en traction animale. En 2013, j'ai acheté une jument, une comtoise. Donc là, on est passé donc à cheval, mais toujours griffes et des disques bionneurs pour remonter les buttes derrière. Et toujours tout ça avec apport de fumier. Je mettais du fumier bovin et équin. Demi-mur, composté, demi-mur, quoi, selon les méthodes que j'avais vues à l'IRAB, à Carpentras. Et puis, voilà, jusqu'en et en 2013, j'ai aussi acheté, après une discussion avec Jean Becker, j'ai acheté un lot de bâches tissées pour essayer des occultations de couverts spontanés déjà, quoi. Donc j'ai fait les premiers essais de 2013. J'avais fait, après le débâchage, j'avais mis des oignons. C'était pas mal en fait, il y avait un peu d'herbe, j'ai pas des herbes exprès, c'était pas mal. Ensuite, la deuxième année, j'ai rebâché le même endroit, j'ai remis des salades, c'était pas mal. J'ai essayé les carottes, là ça avait foiré, il y a de l'herbe qui est venue, tout ça. Bon, j'avais mal géré, mais on apprend quoi. Et puis après, j'ai travaillé de plus en plus avec les bâches. Et puis des fois, quand ça se passait mal avec les bâches, je faisais un petit travail du sol derrière. Et en 2014-2015, j'ai arrêté le travail du sol complètement, quoi. Enfin, progressivement sur la parcelle, mais voilà, sur un an, deux ans, là. C'était après, donc 2014, j'avais les rencontres MSV et tout ça, donc ça a amené toutes les petites carences techniques pour mettre le non-travail du sol en œuvre, quoi. Il y a eu beaucoup de réponses, quoi, avec les discussions, les conférences et puis les formations ensuite, etc. Puis voilà, si c'est un peu long peut-être. Non, très bien. Okay. Et du coup, depuis que tu as arrêté de travailler le sol, tu as vraiment vu une différence? Oui, sur le sol, clairement. Bon, alors là aussi, c'était donc 2014, 2015, 2016, on avait complètement zéro travail sur la parcelle, et maintenant 2017 non plus. Donc ça se met en place, ça fait une multiplication des galeries de vers de terre dans le sol quand on donne un coup de bêche, ça c'est clair. Il y a aussi des vers de terre, là quand je plante les tomates ou n'importe, avec le pontoir, presque chaque trou joue un vers, un petit ou un plus gros. Enfin, c'est sûr que ça bouge bien. Il y a beaucoup de vie, il y a des apports de matière organique, donc aussi il y a pas mal de cloportes, et puis d'autres, sous les couverts il y a beaucoup d'araignées, etc. Bon, j'avais toujours des araignées, mais c'est sûr, sous les couverts, dans la paille, ça grouille, quoi. Au niveau des changements, ça c'est sur le sol, quoi. On se rend compte que le sol devient plus vivant, puis j'essaye de permettre à la vie de s'exprimer au mieux. J'essaie de ne pas tuer sur la parcelle. Là, on enlève quand même des limaces parce qu'il y a des gros problèmes. Enfin, il y a beaucoup de limaces. On peut dire des gros problèmes de limaces. Mais ça va mieux que l'année dernière. L'année dernière, il y a beaucoup de pluie. Mais voilà. Après, niveau du travail, y a en général, pour les plantations, etc., c'est plus long à mettre en œuvre, à implanter au printemps. Après, je gagne du temps, je travaille pas mal sur les semis à la volée, donc ce qui est semis, c'est assez rapide en général, que ce soit les carottes, les fèves, etc. Donc là, on gagne du temps. Mais après, la plantation, ça peut être amélioré hein, par l'outillage plus adapté, enfin, il y a encore à améliorer. Sur le désherbage, c'est sûr qu'il y a il y a très peu de désherbage. Et les endroits aussi à désherber, c'est en général là où c'est pas assez couvert, mais après, faut avoir la matière pour couvrir, quoi, toujours sur la surface. Donc il faut gérer ça, l'apport de matière organique, ou travailler à réussir des couverts assez épais, etc.
Et puis bon, c'est tout un changement en fait de, c'est tout un changement de réflexion, d'organisation, de c'est tout un changement de voir le, la manière de cultiver quoi. Donc tu es en train de renouveler tes outils, tu as des nouveaux outils, comment ça se passe? Voilà, bah j'ai fait déjà là il y a un rouleau FACA pour la traction animale. J'ai une canne à planter d'un type pour faire des trous, quoi, pour planter les grosses mottes, on va dire. Et après, c'est des sols argileux, ils sont assez. Ils sont souples sur quelques centimètres, mais après, c'est pour eux, il y a des galeries, mais c'est plus dur, une canne à planter, faut voir. Mais je vais voir une de type celle de Leron, là, faut que je fasse, là, avec une bonne pointe, là. Ça peut peut-être aller. Et. Oui, voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a un outillage de prévu, peut-être essayer d'adapter une planteuse, quoi, quelque chose aussi. En traction animale? En traction animale, peut-être, oui, mais c'est un bon sans projet. Mmh. Mais c'est faisable, mais faut le faire. Et puis surtout, l'épandage. Faire une genre de sableuse, comme il a Brice, pour épandre du compost, quoi, sur les semis de carottes, petites graines, etc. Et éventuellement un épandeur pour les apports de BRF, de paille, enfin ou une dérouleuse à paille, quelque chose. En traction animale, quoi. Et c'est, voilà. Donc c'est à réfléchir. Est-ce que tu as d'autres problèmes de ravageurs que les limaces? Et comment tu gères le problème de ravageurs alors? Ouais, ben donc les ravageurs principaux c'est les limaces. Et il y a pas mal de rongeurs, mais ils font pas trop de dégâts. Un petit peu sur certaines tournées de patates, un petit peu voilà, sur des fois quelques salades ou des fois sur une tournée de tomates, ils font une galerie sous les tomates et puis hop, il faut remplacer quelques plantes, mais ça va. Les limaces font beaucoup plus de dégâts, quoi. Il y a des fois, je replante deux fois, voire trois fois. Et je complète encore les trous, quoi. Sur des tournées de salade ou après, là je mets pas d'antilimace sur les salades. Je mets de l'antilimace maintenant cette année, je mets de l'antilimace fer à molle, quoi, sur les courges. Les courges, les haricots, les concombres, les aubergines, les poivrons. Parce que sinon c'est chaud. Après je travaille un peu en homéopathie, mais je suis en train d'apprendre aussi, donc c'est voilà, c'est pas encore tout à fait en place. Mais j'ai déjà eu des belles. Il y a déjà eu des belles surprises, quoi, avec ça, mais c'est pas tout le temps, et enfin, je me dis, je suis pas encore au point, quoi, mais j'ai... Voilà, pour moi, il y a déjà eu quelque chose, des choses qui se passent. Et puis, après, il y avait les cloportes, là, ce printemps, j'ai eu des problèmes de cloportes, j'en ai eu, là, l'hiver, j'ai eu les deux hivers, là, depuis que je suis en mon travail, avec des couverts de foin dans la serre, il y a des cloportes qui attaquent le pourpier, la mâche, et ça, là, ça va, mais ils attaquaient le pourpier. Et puis ce printemps, ils ont attaqué la tournée de chourave du printemps dans la serre. Alors c'était sous bâche, c'était bâché, donc planté dans la bâche avec un couvert en dessous des foins et il y avait eu un bon apport de matière organique à l'automne. Donc ils ont attaqué les fenouilles, les chouraves. J'ai planté une première tournée de tomates, pareil, même les tomates et des haricots rames aussi. Donc ouais. Donc après, j'ai un peu gardé cloporte, ça vit dans le noir, ça aime le noir, le sombre et l'humidité. Donc je me suis dit, la bâche, peut-être que si je découvre la bâche, ça va mieux. J'ai fait un essai sur le bout de planche, j'ai débâché, j'ai mis des haricots, des fenouilles, ils n'ont pas touché. Du coup, j'ai découvert toute la serre cette année, pour assurer le... Parce que, en plus, je ne sais pas comment... Pour les limaces, il y a de l'antilimace, mais pour les cloportes, je ne sais pas trop ce qu'il y a. En plus, on est dans une zone humide, là, c'est ça? Et donc en plus, c'est une zone humide. Ouais. Et puis donc en fait après une fois que j'ai débâché ils attaquaient plus. Il y a toujours les cloportes, ils sont là mais ils attaquent plus les plantes. Même pas les fenouilles. Alors je sais pas, il y a à voir. Et puis ouais. C'est bon, voilà principalement ça, ouais. D'accord, ok. En ce qui concerne ton mode de commercialisation, comment est-ce que tu vends et puis quel avantage ou contrainte tu y vois? Ouais. Les limaces, mes parents passent au jardin les soirs en ce moment les ramasser en fait et ça aide aussi quand même les ramasser. Ça prend du temps quoi parce qu'il y en a beaucoup. Mais donc c'est bien si quelqu'un peut le faire. J'avais des woofers qui faisaient un peu aussi. Ouais. Excuse-moi la question. Ouais. Ouais, donc je te posais une question, c'est par rapport à ton mode de commercialisation. Ouais. Quel est ton, comment tu vends principalement et quel avantage ou inconvénient tu y vois? Donc la vente c'est principalement en AMAP,
quasiment on va dire 95% au moins. Il y a, quand j'ai beaucoup de légumes en automne, je vends un petit peu sur quelques marchés ponctuels, faites de la citrouille là dans le coin, des trucs comme ça, où il y a du monde. Donc la MAP, donc association de maintien pour l'agriculture, une agriculture paysanne. Les avantages, c'est que j'ai déjà le lieu de distribution, c'est dans le village à 300 mètres du jardin. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de transport, etc. Niveau de la MAP même, en gros tout ce qui est récolté c'est vendu. Donc c'est des paniers, c'est des adhésions à l'année. Les gens réservent la récolte et on partage la récolte. On fait vraiment un partage de la récolte, quoi. Il y a des fois des petites dérives comme ça dans les AMAP. Enfin des dérives, c'est des fois différent, quoi. Mais là, voilà. Partage de la récolte. Et puis donc c'est pas compliqué, ça facilite, quoi. Niveau préparation, le marché, ça prend beaucoup plus. Il faut y être toute la matinée, faut y être tôt aussi. Là je récolte en gros de la journée, je me lève tôt, je fais la récolte la journée, le soir il y a la distribution. C'est frais du jour, ça passe pas en champ froide, moi j'ai pas de champ froide. Je fais deux distries par semaine après quand il y a plus de légumes pour faire un bon roulement, quoi, tous les 2-3 jours. Et je récolte en gros presque tout le jour même, par les courgettes ou les trucs, voilà. Donc voilà pour les gros avantages niveau de l'industrie. On a aussi les gens, ils payent à l'avance, enfin où ils déposent les chèques pour l'année, donc on a un budget pour l'année. Donc c'est pas mal aussi. Et puis il y a au fur et à mesure des années, de la fidélité des gens, il y a des belles rencontres, et puis il y a des gens qui restent, qui sont là depuis 8 ans, et puis ça fait des liens, ou des amitiés, des projets, il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Et voilà. Chouette. Ouais. Est-ce que tu as un itinéraire technique en particulier qui sort un peu de l'ordinaire que tu voudrais bien partager avec nous? Qui sort un peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que j'aurais? La carotte. Les carottes là, enfin j'avais mis des photos là sur le site maintenant. Mais c'est pas plus. C'est une variante d'autres trucs qui se font, quoi. Donc la carotte, simplement, je fais pré-germer les graines, quoi. Et puis après, on les mélange au compost, je les sème à la volée. Alors je fais une occultation par bâche, des bâchages, et après je fais encore un ou deux fois semis si ça va par occultation. Ensuite, j'épands les graines germées carottes mélangées à un peu de compost. Et puis je remets une fine couche de compost dessus. Je maintiens humide encore une, deux semaines, quoi. Il faut à peu près une semaine pour que ça sorte encore de... Même quand t'as pré-germé ? Quand ça a pré-germé, ouais, parce que ça pousse doucement, elle est juste pré-germée, donc le temps que le germe pousse, que les feuilles, ouais, peut-être un peu moins maintenant quand il fait plus chaud. Mais il faut, ouais. Et puis, mais après elle est bien dehors, quoi. Et puis après, je recouvre alors de gazon. Alors ça, j'avais fait sous couvert, donc une bonne épaisseur de couvert, fraîchement roulé. Et j'avais pas mal de problèmes de limaces. Et j'avais fait une tournée l'année dernière sous un couvert qui était de l'année d'avant. Donc la paille était plus dégradée, le sol était moitié apparent, moitié paille, on va dire. Et puis là, ça a été beaucoup mieux avec les limaces. Donc maintenant, je privilégie des parcelles, je laisse des couverts où je ne resème pas de couverts. Et comme ça, j'ai des couverts un peu dégradés pour faire les carottes, les betteraves, les panais. Je me dis, il y a moins de pression de limaces comme ça. Et après, je les recouvre alors dès qu'elles sont assez grandes avec de la pelouse sèche. Et puis après, les feuillages couvrent, quoi, en attendant. Et puis une fois que j'ai récolté, je remets soit un couvert, soit du mulch. Ouais, voilà, par exemple. Et puis après, sinon, j'essaie pas mal les semis à la volée. Là, par exemple, on a fait fèves et petits pois mélangés à la volée. Pareil, après occultation par bâche, faux semis. Semis à la volée sur le sol et recouvert de foin. Et donc, c'est pas mal, là, c'est pas mal sorti. Il y a juste une variété de pois qui est mieux sortie que l'autre. Donc, je vais peut-être privilégier celle-là ou c'est le hasard. Donc le but c'est d'avoir un semis plutôt que faire des lignes, on a toute la planche, on a plus de culture sur la surface.
Je me dis, si c'est trop compliqué à récolter au milieu, je récolte sur les côtés pour l'alimentation et au milieu, je récolterai quand c'est sec pour les semences. Et puis aussi, c'est que les pois tiennent les fèves ensemble. Ça se tient ensemble, les fèves servent de tuteur au pois. Alors, quelle place les engrais verts finalement ont dans ton système? Tu fais des rotations après, souvent après une culture, tu sèmes des engrais verts? Pour l'instant, je fais des engrais verts d'hiver, donc que je sème dans l'idéal début septembre, voire fin août, j'ai pas encore fait fin août, mais début septembre. L'année dernière, j'étais plus tard parce que je voulais faire un peu des modifs sur le terrain pour mieux drainer l'eau, etc., des fossés, donc j'ai un peu attendu et c'était un peu tard, c'était novembre. Mais voilà. En septembre, je sème avant de récolter dans les betteraves, les carottes, les salades, les escaroles, je sème à la volée dans les cultures. Et puis après, le temps de récolter, en octobre, ça commence à bien germer, c'est bien levé. Et alors, c'est pas mal. D'accord. Ça couvre déjà le sol avant, quoi. Et puis ça, c'est déjà haut. Directement, bien. Tu sèmes dans la à la volée. Et alors, je fais quand ils annoncent la pluie. Il faut en temps humide, et si jamais ça, il faut un peu arroser, j'arrose un peu si nécessaire, quoi. Je suis irrigué, la parcelle là est irriguée. Et puis ça marche pas mal, ça lève bien en général. Et puis des fois, là où ça foire, il y a de l'enherbement spontané, alors je laisse l'enherbement spontané, et puis voilà, quoi. Et puis pour l'instant, je fais surtout ça et je roule. Alors c'est un mélange de seigle principalement, avec un peu de radis chinois, de la veste, des pois. Pour fourrager, et après je mets un peu ce que j'ai, un peu de lin, et, un peu de ci, un peu de ça, quoi, un peu de facéli. Donc il y a une partie de plantes gélives, donc il y a une partie qui va pousser, qui va se développer de si j'essaie assez tôt en septembre, la facéli, tout ça, ça a le temps de venir quand même bien se développer. Ça va geler en général l'hiver s'il fait assez froid, et les radis pareil, et puis le seigle il repart au printemps. Donc ça me fait une litière pour l'hiver, et puis le seigle. Le seigle, je roule alors vers le 20 mai. Mmh. Et après, je le bâche encore un coup, 10-15 jours, pour, parce qu'il y a toujours un peu d'enherbement spontané qui revient par en dessous, enfin qui a poussé un peu dans le seigle et tout. Et ça accélère la destruction du seigle. Voilà, pour l'instant, je fais ça. Je vais faire des seigles des lentilles là. J'ai de la semence des lentilles, mais je ne les ai pas encore fait, éventuellement dans les choux, en couvert sous les choux. En même temps que quand les choux, comme ça. Et puis, voilà. Ouais. Ok. De quoi est-ce que tu es le plus satisfait dans ton métier de maraîcher? Le plus satisfait, d'être dehors tout le temps. Quasiment. Non, mais on vit dehors, quoi. Et puis, c'est bien. Enfin, on vit dans la nature, quoi. Et c'est vrai que ça, je suis vraiment content. Mmh. Enfin, c'est une joie quotidienne. Et après, y a le côté... Il y a plein de choses. Hein. Il y a le côté travailler avec le vivant, quoi. Enfin, on est en relation avec les plantes, avec la vie du sol, et puis on voit ce qui se passe dans le sol. Enfin, c'est la vie. Moi, la vie m'intéresse beaucoup. Et puis faire être en contact avec le vivant, parce que je vois ça comme le c'est réel pour moi, c'est le seul truc réel dans ce monde, c'est le vivant, quoi. Tout le reste c'est l'homme qui l'a créé en gros, et voilà. Donc là j'ai une je sais que je suis dans le vrai, et ça c'est, et le maraîchage me permet d'être là dedans en permanence ou quasiment, quoi, parce que j'en vis, et puis on est dans le jardin, et il y a peu de... Enfin, l'agriculture, en général, mais même pas forcément tout, parce qu'on peut faire de la transfo, enfin... On est plus dans les labos, on n'est pas forcément sur le tracteur, etc., quoi. Que là, on est vraiment au contact. Puis après, c'est... Produire des légumes, maintenant, sans travail du sol, là, c'est quand même... même s'il y a des ratiers, tout ce qui marche, ça marche sans travail du sol, et c'est quand même pas rien. C'est quand même une sacrée satisfaction. Puis même avant, on travaille du sol, hein, quand ça pousse, on est content. Hein. On sème, ça germe, ça pousse. Si les récoltes sont belles en plus derrière, et puis même des fois c'est moins bien, mais c'est un ensemble. Hein. Mais on est. Ouais, c'est une grosse satisfaction. Et un émerveillement aussi de ce que donne la terre, la nature, de ce que ça peut donner, quoi.
Ouais, voilà, et puis je rencontre plein de gens sympas, intéressants, qui ont des certaines sensibilités, enfin, voilà, qui tournent un peu dans ce milieu, autant dans la MAP, autant dans les associations, maraîchage sol vivant ou autre, quoi. Et puis des gens de passage, des bouffeurs, beaucoup de rencontres. Ouais, voilà, il y a plein de choses. C'est riche. Voilà. Et puis des bons légumes, manger des bons légumes, on va le dire quand même. Manger et puis vendre ou partager des bons légumes qu'on poussait dans un sol vivant. Non, mais il y a des différences. Hein. Enfin, moi, je suis persuadé, là, il y a encore à chercher là-dedans, mais niveau qualitatif, tout ça, au niveau gustatif, enfin, voilà. Mm-hmm. D'accord. Yes, c'est vrai. Pour quelqu'un qui s'installe, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Pour quelqu'un qui s'installe, va faire un maximum de visites et si possible de stages, voire stages longs, la durée d'une saison, chez des maraîchers sur sol vivant ou... Enfin, sans travail du sol, si l'objectif c'est de s'installer sans travail du sol, quoi. Parce qu'il y a quand même, on apprend beaucoup sur le terrain. Il y a plein de choses, enfin, une fois qu'on les voit fonctionner. Moi, ça a été comme ça. Au début, je travaillais le sol. Et puis, au début, on a un peu de. Enfin, si on vient du travail du sol, on a un peu de mal à s'imaginer que ça pousse sans. Et même sinon, quoi, c'est bien de voir, voilà, on met des graines par terre, on les recouvre de foin et puis ça pousse. Si on l'a vu, on est... Parce qu'il faut quand même y croire pour le mettre en œuvre, quoi. Parce que des fois, on va avoir des essais, ça va se faire manger par les limaces, tout ça. Et puis on va dire, mince, ça marche pas et on peut être vite découragé, en fait. Et alors, si on a vu déjà que ça marche à quelque part, on y croit, on va ressemer, on va persévérer et on va y arriver, quoi. Enfin, moi, je me dis ça. Et puis aussi, c'est très technique quand même, il y a pas mal de techniques différentes, donc aller chez des maraîchers différents, quoi, qui ont des sols différents, des techniques différentes, des sensibilités différentes, on apprend chez chacun. Et puis regarder un maximum de formations, participer, encore mieux, venir en formation, lors des rencontres, etc., rencontrer des maraîchers ou des gens d'installation pour discuter, partager les expériences de chacun. Ouais, les formations aussi, c'est quand même vachement intéressant, ça fait comprendre pas mal de petits trucs, ça fait des petits déclics, c'est des petits détails, des fois ça marche ou ça marche pas, ça tient à des petits détails, quoi, et un peu de chance. et voilà, donc faire un maximum d'expérience, et après des essais, déjà dès qu'on peut, si on a un petit jardin, faire un maximum d'essais pour faire de l'expérience de terrain, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah merci d'avoir répondu à mes questions, Fabrice. Puis voilà, à très vite. À très vite. On observe une structure très grumeleuse, les mottes ont du mal à se tenir. Il y a aussi pas mal d'insectes qui grouillent. Oh merde. Nous observons des galeries de vers de terre fréquemment sur les mottes. On observe un dépôt rouge brun. Donc ce dépôt, c'est sûrement un dépôt de fer. Il faut savoir qu'il y a deux composés qui colorent le sol. La matière organique qui colore le sol d'une couleur assez noire et le fer d'une couleur assez rouge. Donc ici, c'est sûrement un dépôt de fer. Voilà. Donc j'ai fait la boule et je vais faire une pression dessus. Donc elle se fissure, donc c'est assez typique d'un sol limoneux argileux. C'est quand même assez collant, donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'argile. Je vais faire mon petit anneau pour
voir combien il y a de pourcentage d'argile, je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc voilà, faut réhumidifier la terre pour pouvoir faire ça, mais pas trop. Donc là, c'est plus facile. Ok, maintenant, je fais l'anneau. Donc, il se casse. Donc, il y a à peu près 25% d'argile, peut-être un peu moins. Pour le test du lâcher, nous prenons une motte et la faisons tomber de 1 mètre plusieurs fois pour voir comment celle-ci réagit. Ici, la motte se désagrège en plusieurs modes de taille moyenne, avec quelques arêtes anguleuses. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ce sol n'est pas compacté, ce qui est très positif quand on sait que Fabrice ne travaille plus du tout les sols et que les sols argileux ont tendance à se compacter. Mais on observe quand même pas mal d'agrégats ronds là. Donc, tu vois là, si je fais une pression là, si je fais une pression faible, on a quand même du mal à désagréger la motte. Donc c'est quand même une bonne structure. Et il y a pas mal de vers de terre dedans. On voit que les agrégats sont bien ronds. On retrouve encore des petites marbrures. Et j'ai juste à faire ça. Et là, les agrégats sont super ronds. Signe d'une bonne activité biologique. Nous faisons un slake test pour comparer une motte d'un voisin céréalier conventionnel avec une motte d'une parcelle de Fabrice. L'image parle d'elle-même. Le sol sur la gauche se désintègre rapidement et trouble l'eau, tandis que le sol de droite reste intact au contact de l'eau. Ce simple test nous permet de voir rapidement l'état biologique d'un sol. On peut affirmer sans se tromper que le sol de Fabrice a une bonne activité biologique qui produit des colloïdes, alors que les pratiques du voisin ne permettent pas à l'activité biologique de se développer. Notre séjour se termine chez Fabrice Meyer en Alsace. Merci beaucoup pour l'accueil. La ferme est superbe, son sol est très bien structuré grâce aux couverts qui ont vraiment bien marché. Il y a pas mal d'argile et de matière organique, donc c'est très grumeleux, il y a beaucoup de vers de terre. Maintenant, on va aller chez Cyril Fatou, donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc c'est entre Grenoble et Valence, à Saint-Hilaire-des-Rosiers. À bientôt pour de nouvelles aventures. Maraîchage sol vivant.